Today we will conclude our three-part show entitled Better Understanding Animals, Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator, Lila Del Monte, Vegetarian. In this episode, we feature more from our fascinating interview with the gifted American communicator, Miss Del Monte and Miss Baroni, who rescues animals and coaches some of them for filmmakers who wish to feature them in their movies. Usually, we tend to doubt things that cannot be proven. We are reluctant to trust our intuition. How can we get past this obstacle and gain confidence in our ability to connect inside with animals? Alors, moi, je pense que d'abord, ça se travaille par les sens. Il y a les sens physiques. Je touche la feuille, j'ai la sensation de la brise, j'ai les odeurs du mûrier. Mais je l'ai ressenti par rapport aux animaux autour de moi. Ça, c'est des sensations purement physiques. Mais ces sensations-là, elles sont aussi à l'intérieur de nous. On peut les développer très, 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 très loin. Je pense qu'à partir du moment où on commence à développer cette sensibilité, et c'est ça qui donne ça donne cette confiance automatiquement, parce qu'on commence à... On est connecté à soi et on est connecté à ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est une question de travail, ça ne vient pas tout seul. D'avoir des preuves en retour. Oui, des validations. Des validations, des preuves, voilà, c'est ça. Quand on ressent quelque chose et puis qu'on ne peut pas vraiment le valider, on garde le doute. Et donc, on ne fait pas augmenter notre confiance en soi. Je pense que quand on développe cette communication régulièrement, ça vient naturellement. Mmh. Donc, je donne un exemple similaire, très, très similaire. C'était dans une écurie dans l'est de la France. Et parce que la communication, l'état de communication est toujours ouvert, il y avait un ressenti de grosse anxiété par rapport à une jument et qui me prenait, qui me dérangeait énormément. Et j'étais assez loin, enfin la maison elle était loin. Et le lendemain, j'apprends que en fait qu'ils avaient séparé la jument de l'autre cheval parce qu'elle avait eu un accident et elle était blessée, ils ne voulaient pas les amener ensemble. Mais pour elle, l'anxiété, c'était le fait qu'elle ne pouvait pas être avec l'autre cheval, qu'ils allaient être séparés, et elle le savait à l'avance. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient même pas parlé devant elle. Parce qu'ils captent toutes les pensées. Ouais. C'est ça. C'est ça la chose. Ouais. C'est ça que j'essaye toujours d'expliquer aux cavaliers, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ouais. Ils ne se rendent pas compte des choses qu'ils disent devant les chevaux. Ouais. Mais ils captent les pensées, ils captent pas que les pensées, ils captent les images, les pensées, les sensations, les émotions de nous en permanence. Et c'est toujours traduit et décodé dans leur propre langage. Mmh. Et ça aussi, c'est des validations en permanence dans les communications. Particularly in the wild, some animals are not used to the presence of humans and may view people as dangerous. We wanted to know if Lila had ever used her communication skills to save herself from unsafe circumstances. Alors plusieurs fois, moi j'étais dans des situations de danger où je me suis retrouvée face à un cerf en pleine nature et où je me suis retrouvée face à des ours et donc au Montana. Et j'étais obligée de faire des communications rapides pour sauver ma peau, quoi. Et j'ai aussi été en face d'un bison. Donc, et j'ai pu voir, et la communication, elle est interprétée comme un danger. C'est-à-dire qu'on rentre dans leur territoire, même si c'est fait que avec l'esprit. Et pareil, une autre fois, en pleine forêt, on faisait un hike et on s'est retrouvé face à un cerf, parce que c'est vraiment très impressionnant. Très, très, très impressionnant. Et pour lui, on était sur son territoire et il voulait attaquer. Et donc, il a fallu transmettre très rapidement l'information. On est sur le territoire, mais on va pas juste passer et on ne prend pas ton territoire. Donc, il y a plusieurs. Et une autre expérience où je me suis retrouvée face à une maman ours avec ses deux bébés ours. Et à la distance où on est maintenant. Et c'est effectivement extrêmement dangereux et j'ai dû rapidement transmettre l'information. Je fais rien et j'ai fait comme une espèce de paralysie interne et je suis juste là et je fais rien. We will pause now for a brief intermission and constructive message. Please stay with us here on Supreme Master Television to learn more fascinating things about animals.
Welcome back to Better Understanding Animals, Marie-Noëlle Baroni and telepathic animal communicator Lila Del Monte, vegetarian, part 3 of 3 on Supreme Master Television. Are animals aware of our planet's perilous environmental condition? Lila weighs in. Pour moi, les animaux, ils vivent dans cet instant présent, dans leur survie. S'ils ont la conscience des conditions qui se détériorent, bah oui, c'est obligé, puisque leurs conditions de vie se détériorent. C'est l'être humain qui est responsable des conditions de l'animal, et c'est l'être humain qui a la responsabilité d'aller vers l'animal et de le comprendre et de transformer les dégâts qui ont été faits. Can different animal species communicate with each other? If so, how do they do it? Lila shared with us what she knows from personal experience. C'est très très intangible, et c'est spécifiquement intangible pour nous humains, parce que nous on arrive à communiquer que à travers nos sens. Mais si je pouvais l'expliquer le mieux possible, je dirais que c'est comme une vibration qui est émise, et dans cette vibration il y a tout un langage qui est dedans. Donc il y a un langage de pensée, un langage d'émotion, un langage d'être et un langage de sensation à l'intérieur de cette vibration. Alors je donne un exemple. Donc une fois, ma chienne, elle est venue me chercher et je me suis dit qu'est-ce qu'elle veut, voilà, et je l'ai suivie et il y avait une tourterelle qui était blessée. Et donc j'ai pris la tourterelle, j'ai essayé de la sauver, etc. Et dans la nuit, ma chienne est venue me réveiller et elle m'a tirée, elle m'a pratiquement tirée par la chemise, comme j'appelle, et elle m'a amenée, la tourterelle était décédée. Donc comment elle savait? Elle était dans la maison. Donc c'est une vibration qui contient tout et que nous, on a énormément de mal à capter parce que nous, on met le langage au-dessus de tout. Mais c'est déjà un langage et c'est très très intangible, mais c'est quelque chose qui est émis entre tous les animaux et qui perçoivent. What hope is there for getting closer human-animal relationships in the future? Lila and Marie-Noëlle believe we must start with the children and bring them in contact with our animal friends. C'est très très important de retrouver ce langage, de retrouver cette connexion, parce que si on la retrouve pas, on va pas pouvoir ouvrir cette compassion, et pour moi c'est la seule façon de sauver cette planète. Moi, ce que j'aimerais proposer, c'est d'ouvrir la connaissance aux enfants, évidemment, voilà, mais de l'ouvrir cette connaissance, même un tout petit peu, mais dans les toutes petites classes, voilà, au primaire, au primaire où là l'esprit est complètement ouvert et il n'est pas encore formaté et tout ça, et de pouvoir juste leur donner l'expérience une seule fois. Mais il faut qu'ils aient l'expérience directe avec les animaux. Parce qu'ils font pas la corrélation. Donc ils font pas la corrélation de ce qu'il y a dans leur assiette, que c'est un animal. Ils font pas la corrélation avec la cruauté qui se passe. Tout ça, ils peuvent pas comprendre. Il faut qu'ils sachent, qu'ils soient proches de l'animal pour le comprendre, de le ressentir et pouvoir se connecter vraiment à l'animal. We wanted Lila and Marie-Noëlle to highlight for us the most important lesson they each have learned from animals. L'humilité, l'humilité, la gratitude en fait, par rapport à l'instant présent. Voilà, c'est surtout ça. C'est cette gratitude que j'ai infinie et immense et pour justement. La chance d'avoir, de vivre l'instant présent. Et comme dit Marisol, c'est cette humilité, mais c'est en permanence. Enfin, moi, je me sens accompagnée tout le temps dans les états dans lesquels je suis. Et puis, sans ce jugement toujours... Ou l'analyse ou la critique, voilà. Ou enfin tout ça, voilà. Et ça, c'est
Ça, c'est un sacré... Enfin, c'est une aide pour moi énorme. Comme elle dit, acceptation, accompagnement, avec nous. Donc, du coup, on peut être vraiment réel et authentique. On peut être vraiment vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir les masques et de protéger, de cacher ou de faire semblant ou d'approximation. On peut être tout simplement. Et ça, c'est incroyable. Our appreciation goes to Laila Del Monte and Marie-Noël Baroni for providing their valuable perspectives so we can appreciate even more the precious animals around us. May God's love always be with them as they help people to awaken their compassion and appropriately care for our animal co-inhabitants. For more information about their work, please visit the following websites: Laila Del Monte, lailadelmonte.com, Marie-Noël Baroni, lesanimauxetmarino.com. Considerate viewers, it's been a pleasure to have you with us today.